C'était à l'âge de 8 ans que j'avais eu ma première conscience. Je me voyais à côté de ma maman avec un bol en main. Ma petite sœur de l'autre côté sans essence. C'était là à Chantemars. Par devant le palais national, on préparait le demain. Mais quel demain? Un demain sans demain, un demain de douleur. À quoi sert ce demain-là? Et maman, pour nous trouver des choses à manger, leva le bol en l'air en disant: Monsieur, madame, élève, professeur, pasteur, deux ou trois gouttes feront l'affaire. Malgré les larmes qui coulaient sur son âme endolorie, personne ne la regarda. On l'avait tellement fixée triste, on pourrait croire que son commencement était dans sa fin, mais c'est vrai. Sa vraie vie, sa vraie nourriture était dans sa fin. Il y en a qui lui donnaient deux ou trois gouttes. Il y en a qui faisaient comme s'il était sourd, qui nous regardaient, qui nous méprisaient et qui nous disaient: Foutez-nous la paix, bande de macaques. De là, la rivière recommença à couler sur les deux joues de maman. De jour en jour, c'était la littérature de notre vie, c'était la saveur de notre fuite. Quand la journée se termine à zéro, c'est dans la poubelle qu'on finit par être le héros. Quand maman trouva un morceau de pain, elle le cassa en deux. Un morceau pour Mika, un morceau pour moi. Do, do, ti, ti, do, do, ti, ti, do, do. Ce n'était pas sur le lit, c'était sur le sol qui dégageait une chaleur qui brûlait ma peau pendant que la pluie nous crachait dessus. Les odeurs des ordures, des matières fécales nous empêchaient de respirer. Maman au milieu de nous, chacun de nous à côté. Maman chantait un seul refrain: Mon Dieu, pourquoi c'est nous? Qu'est-ce que la vie? Quel est l'avenir de mes enfants? Et franchement, nous, nous n'avions pas des histoires de Peter Pan, de Tom Jerry pour pouvoir dormir. À la place de tout ça, nous avions les larmes de maman. Si dormir pour nous est un péché, se réveiller est encore un crime. Alors nous sommes pécheurs, nous sommes criminels. Les dieux sont contre nous, l'État, le monstre, le Léviathan est contre nous. Nous sommes seuls au monde. Malheureusement, le lendemain arriva. Et je voyais des grosses, grosses, grosses voitures qui entraient dans le palais. J'ai demandé à maman, qu'est-ce qu'on fait là? Elle m'avait dit rien du tout, mon enfant. Je voyais des belles jeunes filles qui allaient à l'école. J'ai regardé ma petite sœur, mais elle aussi, elle est belle. Pourquoi sommes-nous différents? Peut-être parce qu'on n'a pas des yeux, mais moi, je vous vois là. Peut-être parce qu'on n'a pas un cœur qui bat. Mais moi, je sens qu'il y a quelque chose qui bat ici. Même si c'est la tristesse, sa vitesse. De plus, il y a ce jour que je n'arrive jamais à oublier. Jamais. J'ai crié au secours. Au secours, tout le monde me regardait, mais tout le monde ne me regardait pas. Tout le monde m'écoutait, mais tout le monde ne m'écoutait pas. Et là, la crise cardiaque augmenta. Et maman trépassa. Son dernier mot était: Je vous aime, mes enfants. Mais c'est vrai. C'est elle tout simplement qui nous a aimés. Pas vous! Pas l'Église! Pas les organisations internationales! Pas la famille! Pas l'État! Personne d'autre! Nous sommes seuls au monde! C'était tellement dur, on ne voulait pas laisser maman toute seule. Ça fait 5 heures de temps qu'on couchait à côté d'elle. La mort ne tue pas l'amour. Étant donné que l'odeur commençait à se dégénérer, je voyais les agents du palais venant ramasser maman. Je ne veux pas laisser maman. Mais qu'est-ce que ta petite sœur? Laisse-la partir pour qu'elle puisse aller voir s'il n'y a pas plus de vie dans la mort que de vie dans la vie. Laisse-la partir, petite sœur. Aujourd'hui, me voici en face de vous, la société.
Appelez-moi bandit, voleur, délinquant, mais sachez que je n'ai pas été à l'école comme vous. J'ai été oublié. Je suis un danger social. Je suis fils du système. Et ma petite sœur est une prostituée à Gangrou. Peut-être vous l'aviez déjà couchée, hein? Moi, j'ai un pistolet, man. À qui la faute si j'ai pas de morale, man? Si vous trouvez maman quelque part, dites-lui qu'elle me manque, franchement. Franchement. Vance le penseur, slam. Air Sound Studio.